si tu peux me redonner ton nom et ton prénom pour la vidéo. Alors, Turc Juliane. Eh bien, Juliane, souris, ça y est, tu es filmée. La France entière te regarde. On a trois tours ensemble en Audi R8. Tu peux garder ton pied sur le frein. Ouais. Tu peux tirer la palette de droite. On va descendre un peu ce volant. Hop. Voilà, tu seras mieux, je pense. Et tu vois d'ailleurs, les palettes, elles suivent le volant. Hein. Ouais. Ok. Tu vas me caresser l'accélérateur tout doucement. On va sortir des stands. Très léger gaz. Tu vois les trois cônes tout au fond de la piste là-bas? Ouais. Tu les quittes pas des yeux, moi je vais m'occuper de ce qui se passe dans les rétros. Seconde. Voilà, reste à cette petite vitesse, pas trop vite, reste comme ça. Troisième sans accélérer. Parfait, attends encore un tout petit peu. Allez, on peut se lancer, accélère encore un peu. Quatrième. Tu restes bien en milieu, Juliane. Cinquième. Là on est passé toujours au milieu. Léger frein ici, léger frein. Garde le pied sur le frein jusqu'au bout. Quatrième, troisième, tu vas me frôler les petites bandes jaunes sur le sol. Léger gaz. Et là, regarde, tu vas accélérer de plus en plus vers la gauche. Encore un peu de gaz, encore un peu. Encore un peu de gaz, encore un peu. Quatrième, reste à cette petite vitesse. On va laisser passer une voiture à l'extérieur. Et là, on peut se remettre au milieu de ce grand virage. Début, ton virage est assez serré. Donc tu maintiens ta vitesse. Dans cette zone-là, maintenant, il commence à s'ouvrir. Tu peux accélérer un peu plus et te décaler à droite. Cinquième maintenant. Tu restes toujours bien à droite. Et tu cherches, tu regardes le cône orange. Regarde-le, ce cône. Tu vas droit dessus, va le chercher. Et à partir de là, tu te décales complètement à droite, comme sur mon dessin. Collé à droite. Prépare-toi pour la chicane. Top freinage. Freine fort. Plus fort. Quatrième. Et regarde la belle ligne droite que tu peux créer. Quatrième. Reste collé à gauche. Cinquième. Reste collé à gauche et top freinage, quatrième. Tout de suite léger gaz, regarde la belle ligne droite que tu peux te faire et tu pourras accélérer, pas mal du tout. Et là, Juliane, léger frein, garde un léger, léger, pas plus que ça, garde-le encore, garde-le jusqu'au cône blanc. On t'en a pas parlé tout à l'heure. Quand tu mets un peu de frein ici, ta voiture elle tourne plus facilement. C'est pour ça qu'il faut le garder 3 secondes, il faut qu'il soit léger. Ça te plaît? Ouais. Allez, à partir de là, tu pourras mettre de plus en plus de gaz, on va droit devant. Top freinage, fort, troisième, léger gaz, allez c'est parti, fais-toi plaisir, quatrième, reste au milieu, cinquième, bien au milieu, et prépare-toi Juliane, top freinage, plus fort encore, quatrième, troisième, très léger gaz, braque à gauche, braque à droite, de plus en plus vers la gauche, encore, 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 et quatrième, très bien, remets-toi au milieu, un léger frein, tout de suite léger gaz et tu peux stabiliser ta vitesse. Là on est nickel. Tu vois, tu sens qu'elle commence à tirer à droite, donc c'est pile la bonne vitesse. À partir de là, accélère un peu plus vers la droite, encore un peu, cinquième. Essaye toujours de rester un poil à droite, encore un peu de gaz. Regarde le cône à gauche et vas-y à fond. Allez, va le chercher ce cône. Faut le frôler. Hein. Tu te mets à droite comme sur mon dessin, collé à droite. Prépare-toi, top freinage, reste à droite, quatrième. Tout de suite du gaz, tout de suite. Cinquième, on va se coller à gauche. Tu vas essayer vraiment de coller les extérieurs, on passera mieux les chicanes. Top freinage, quatrième, tout de suite du gaz. Vas-y, file les droites. Super, c'est mieux ça. Là, on est mieux passé. Encore, 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 encore. Léger frein, garde un peu de frein, un peu de frein. Garde-le, garde-le encore, garde-le. On garde le cône blanc maintenant, garde-le. Tu vois, on est toujours un peu loin des points que je décide. Si vraiment tu les regardes, Juliane, on va passer à 1 mm. Ok? Joue le jeu, regarde-les à chaque fois. Allez, on va droit devant. Top freinage, plus fort, troisième, léger gaz maintenant, allez c'est parti, on dépasse par la gauche, quatrième, reste au milieu, cinquième, prépare-toi pour le freinage, top gros frein, quatrième, garde le pied dessus, troisième, freine encore un peu, on va bien à gauche, léger gaz, bien à droite, allez à fond vers la gauche, ça passe à fond, quatrième, mets-toi au milieu, léger frein, léger gaz, léger, léger, et tu stabilises ta vitesse. Pas plus que ça, nickel. À partir de là, un poil plus de gaz, encore un petit peu plus, reste à droite, encore du gaz, cinquième, encore du gaz, allez vas-y à fond maintenant, ça passe à fond jusqu'au cône rouge, regarde-le, décale-toi complètement à droite, collé à droite et prépare-toi, top gros frein, plus fort, quatrième, troisième, allez fais-moi une ligne droite et tu rattaques, quatrième, reste collé à gauche,
Cinquième, allez, coller à gauche, Julian. Top gros frein. Quatrième, tout de suite du gaz, tout de suite du gaz. Allez, vas-y, encore. Encore du gaz. Encore, encore, encore. Léger frein. Et garde-le, léger frein. Garde-le, garde-le encore. Garde-le. Regarde-le jusqu'au blanc. Regarde-le jusqu'au blanc, le blanc, le blanc. C'est bien mieux ça. Et malheureusement, Julian, freine vraiment ici. On va ramener la voiture juste après. Freine encore vraiment, on va se mettre à 20 à l'heure. Tu peux te coller à droite. Freine encore, encore. 20 à l'heure. Tu vois, 20 km/h, pas plus. T'as senti dans le dernier virage ce petit frein à quel point il nous fait tourner l'auto? Alors c'était comment? C'était pas mal. Ça t'a plu? Ah oui. Ça fait bizarre de retrouver ma Polo, mais bon. C'est pas le même gabarit, mais on va se mettre, tu vois, juste derrière ce Lamborghini. On va se mettre sur la petite parcelle de pelouse. Et là, top, tu peux t'arrêter. C'était pas mal ce que t'as fait. Par contre, t'as vu sur un petit dessin. C'est évident, bien sûr, faut faire une ligne droite. Quand par contre tu commences à débouler à 180-190, on n'a qu'une envie, c'est de se placer à 2, 3, pourquoi pas 4 mètres du bord. Et c'est ce qui fait que la trajectoire est moins facile. Il y a eu 2-3 portions vraiment chouettes et d'autres où bon, tu as été un peu plus en difficulté. Le petit frein là derrière dans le virage était pas mal. Tu as bien assimilé ce petit truc. Freinage également, tu y allais de bon cœur, c'est ce qu'il fallait. Mais écoute, c'est pas mal pour une première. Bah oui, toujours ça bien pour une première. Et puis si tu as l'occasion de venir, le secret souvent c'est d'essayer de faire une formule un petit peu plus longue selon le budget. Mais pas forcément partir sur une Ferrari entre guillemets un peu chère. Si tu as l'occasion, moi le conseil que je donne, tu vois une Porsche Cayman comme celle-là, là-bas, c'est le top. Tu peux faire un peu plus de tours et là tu te régales. D'accord.